مساء الخير tout le monde, c'est Ali Hassani. اليوم j'aimerais avoir votre opinion sur mes préoccupations pour l'année 2023. Enfin, les sujets que je pourrais traiter ou là les thématiques qui vous intéresseraient pour l'année prochaine 2023, Inch'Allah. Alors, il y a trois thématiques différentes. Tout d'abord, la communication interpersonnelle. Alors, ça me permettra de revenir à mes débuts en tant que formateur et travailler une thématique que ça fait longtemps que je n'ai pas animé la thématique Hadi, que ce soit pour le mouvement associatif ou là pour les entreprises ou là à l'université aussi. Donc, ça m'intéresserait de revenir sur les bases de la communication interpersonnelle, notamment les pratiques fondamentales, la PNL, la programmation neuro-linguistique, l'analyse transactionnelle, la communication non-violente et la communication relationnelle. Donc, j'aimerais bien travailler sur les pratiques de la communication interpersonnelle. Même si je suis dans l'axe de la communication non violente, de la CNV, mais j'aimerais aussi animer les autres pratiques, la PNL, l'analyse transactionnelle, et ESPER ou la communication relationnelle, en plus de la communication non violente. Ça va me permettre, Inch'Allah, de donner mon avis aussi sur les différentes pratiques essentielles dans la communication interpersonnelle. Le deuxième volet qui me tiendrait à cœur, c'est beaucoup plus l'analyse des conflits. Les méthodes d'analyse des conflits, les outils d'analyse des conflits, notamment la roue de l'analyse des conflits. Comme vous savez, en Algérie, il n'y a pas une analyse des conflits proprement dite. Donc j'aimerais bien introduire ça auprès des associations ou là auprès des entreprises algériennes. Donc je suis en train de travailler ça avec quelques entreprises, mais j'aimerais bien introduire l'analyse des conflits, notamment la cartographie, la roue des conflits et d'autres méthodes d'analyse universelle. En troisième lieu, Inch'Allah, Rabbi, on pourra aussi travailler ce qu'on appelle les outils ou les méthodes de la facilitation en intelligence collective. Rani Chouf, les derniers temps, il y a une demande aussi sur le brainstorming, les méthodes classiques aussi de facilitation, en plus des méthodes innovantes en matière de facilitation, comme le forum, le World Café. Et on parlera aussi, Inch'Allah, in Arabic, si vous le permettez aussi, sur les bases de la facilitation comme métier que nous avons négligé ou peut-être ignoré. Donc voilà les thématiques de base. Alors, Madabi Adgoulouli, quelle est la thématique ou quelle thématique aimeriez-vous que je traite durant l'année 2023 avec des capsules, des vidéos, des ateliers, des animations à distanciel ou là en présentiel. J'aimerais ajouter aussi deux choses, si vous permettez, aussi qui me tient à cœur, c'est l'intelligence émotionnelle, mais surtout les intelligences communes, les 8 ou les 9, comme vous voulez, intelligence commune selon Howard Gardner. Alors je répète les thématiques pour l'année 2023. Veuillez voter ou la élire Wahda. Donc les commentaires Tawakom qui suivent la capsule ou la vidéo. Alors les pratiques de la communication interpersonnelle, les méthodes d'analyse des conflits et les méthodes de la facilitation en intelligence collective. Alors, vous pouvez ajouter aussi
les 8 ou les 9 intelligences communes. Voilà, donc je vous remercie. Veuillez participer à la Khalecom. Attendez les commentaires de Wacom, les avis de Wacom, le feedback de Wacom. La thématique que vous aimeriez bien que je traite durant l'année 2023, donc à partir de janvier. Et sur ce, je vous dis douce soirée et à très bientôt. Rabbi Afatkom. Merci.